commandant. Salle de haut bruit quoi aussi. Dis-moi Rex, si tu m'entends. Yeah. Au moins, il y a un message, quoi, c'est bon. Quel est mon titre? Ah, comme c'est cool. Bon, on va aller direct chez bagage, quoi, en fait. Je vais. Ça va prendre du temps pour comme. Mais le chat en même temps indiqué, j'ai pas deux écrans, c'est un pauvre streamer, un mouchol. Wow. Bon. Configuration, vous devez brûler les tagailles de créer un compte, ce genre de truc là. Mieux vaut une dame directement. Bon, essayons de créer un deck vite fait avec Champion Yigen Wahon. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous aviez dit Freljord avec Brom. Bon, je vais mettre Bounek Ben avec Brom, H et Anivia, n'est-ce pas? Comment j'ai la caméra de face? Bon, j'utilise la caméra de ma machine, hein, machine portable à utiliser. Bon, je branche un moniteur pour au moins mon KB sur 1080. Sur ma machine, c'est une résolution beaucoup plus élevée. C'est très difficile de streamer avec et de jouer avec. Ça pompe beaucoup plus de ressources. Donc, caméra ou machine que je vais utiliser en fait. Machine laptop. Non, j'utilise pas l'option stream de pour caméra sur YouTube. En fait, j'utilise Benen. En fait, YouTube, tu dois juste utiliser Benen application qui te permet de prendre le flux de ton ordinateur pour le balancer à YouTube. Donc, c'est YouTube Studio. Il te donne Ben genre clé. Bon, on va utiliser. Tu l'utilises sur l'autre application et l'autre application il te demande est-ce que tu vas stream sur YouTube ou tu vas stream sur une plateforme, peut-être Twitch ou le Facebook Gaming. Et il te demande une clé pour chaque plateforme. Plateforme, tu mets juste la clé et il va essayer de mettre le lien. Sur YouTube, quand tu mets le lien sur YouTube Studio, il va te dire ok, maintenant la connexion elle est établie. Bon, entre l'application qui est générée stream avec le hub qui est YouTube, et il va te dire ok, donc c'est cool. Et YouTube te présentera bien un bouton pour te dire go live, et comme ça, automatiquement, tu pourras aller en live. Je sais pas si c'est bien explicite. Donc, moi j'utilise une application pour te dire OBS Studio. Donc, on l'a utilisé pour faire le lien entre Kibi, quoi, entre les deux trucs. Ah, yeah, concours. Donc, on va aller sur la chose là. Donc, il y a un bon genre de deck qui a Brom, H et Anivia. En fait, les champions, c'est des fois le deck et c'est des fois pas le deck. C'est-à-dire, on peut créer un deck basé sur un champion. Parce que le champion, déjà, tu ne peux mettre que 6 champions dans un deck et c'est assez chaud en fait. 6 champions dans un deck, c'est assez chaud. Donc, baser tout un deck qui contient 40 cartes juste sur 6 cartes, bon, à moins que tu aies des choses qui peuvent te permettre de
de draw ces cartes là, c'est assez chaud. Donc on peut pas dire que je vais baser mon deck sur par exemple Brome, surtout Brome en fait, parce que Brome il faudra le piocher. Certes c'est vrai, c'est un champion level 3, c'est-à-dire il a juste, tu as juste besoin de 3 de mana pour jouer Brome, mais en fait Brome c'est spécifique le deck que Brome Yumi il wara andal. Donc il y a des cartes spécifiques pour Brome. Déjà Brome dans la légion, c'est quoi la jouer Brome? C'est ça te donne take hurt, ça te permet de buff une unité si elle est blessée, ou bien ça te génère des poros, mighty poros sont des cartes 3-3 de mana, 3-3-3. Donc Brome c'est jouer la stratégie genre, peut-être tu peux le jouer juste pour défense, c'est à dire ça tu tank, mais comme vous l'avez dit, vous jouez sur une méta pour Hamna, il y a beaucoup d'insaisissables. Et insaisissable avec Brome, bon, mon dieu, tu pourras jamais faire, tu ne pourras jouer que Brome que sur ton tour, parce que le tour adverse, bof, le gars il va t'attaquer directement, tu pourras pas en fait tanker. Donc Brome, en fait sur une méta insaisissable, Brome c'est assez nul pour dire vrai. C'est pourquoi en fait le playstyle de Brome c'est quand en fait les gens jouent, oui. Tu peux le prendre pour défendre. Et c'est, Brome est excellent sur une méta où les gens jouent beaucoup Freljord. Le Staffroula joue beaucoup Demacia. Pourquoi? Parce que Demacia, il n'y a pas de. Comment vais-je dire? Il n'y a pas d'élusif, d'insaisissable. Les gens sont c'est des brutes. Ils veulent te cogner en fait. Et Brome est là pour tanker. Et il peut challenger les gens. Et aussi pour se permettre de level up. Donc. C'est, si les gens jouent, si on regarde bien et que la méta, les gens jouent beaucoup Demacia ou bien des gens jouent beaucoup des cartes ou des unités fortes pour attaquer, bah on peut mettre Brome. Mais actuellement les gens ils jouent rapide en fait. Rapide c'est à dire ils jouent soit directement combo aggro, c'est à dire ils vont jouer des élusives, ils vont jouer des burns. Actuellement je pense que l'Ormo peut sortir méta bien. Et Brome mon fof non ça fit pas. C'est pourquoi en fait si je devais créer ce deck, moi sincèrement j'allais couper Brome. Je vais pas jouer Brome en fait. Ok. Disons qu'on joue sans Brome. On va jouer. Avec Ashe et Anivia. Supposons, Ashe, c'est un champion qui est level 4 avec 5 dégâts et il peut tanker à 3. Et son level up condition, c'est que tu dois geler. Je pense que en France, on dit geler. Tu dois geler 5 ennemis au moins durant la partie. Donc, ce qui signifie que Ashe, tu peux level up Ashe sans voir Ashe. C'est pas du genre je dois voir les champions, c'est du genre je dois voir pour qu'il y ait par exemple des Kalista ou bien des Lucian. Bon, ils doivent voir, comment ils le signent, ils doivent voir pour truc. Donc tu peux le level up quand il est dans le deck. Donc ce qui fait que Ashe des fois c'est cool parce que tu peux jouer sans Ashe et en même temps level up Ashe pour pouvoir en fait bon, si tu dis que ton win condition c'est Ashe et H uniquement, genre H va venir pour être le celui qui va venir et défoncer les gens, parce que là le H level up c'est fort, parce que si tous les ennemis de tous les unités de l'ennemi sont frostbite, bof, il n'a pas de bloqueur, et ça c'est cool parce que bof, tu vas lui faire des direct attaques, c'est comme si tu étais élusif, si tu étais insaisissable. Bon, c'est cool. Et deuxième chose, c'est que Anivia, Le spell de Anivia donne du frostbite encore, du gel. Ça gèle de 2. Donc, ce qui fait que avec Anivia, tu peux avoir du frostbite. Mais le problème, c'est que en jouant Anivia, tu as le frostbite que si Anivia est sur le terrain. Ça, si tu as Anivia sur le terrain et que tu avais une autre copie de Anivia à la main, c'est là où tu as le spell de Anivia. Et le spell de Anivia, bof, pour protéger H au début, c'est chaud. Donc mieux vaut en fait ne pas focus sur Anivia avec son spell et jouer carrément le spell d'Anivia qui est, bon je vais changer un peu de région, qui est Harsh Winds, je pense que c'est un spell de level 6, oui, Harsh Winds, et jouer avec Harsh Winds pour au moins enfin, avoir le double frostbite. Parce que si on joue un deck qui est basé sur H,
cette carte, c'est un must aussi. C'est vraiment un must, quoi. Donc, essayons de faire quelque chose. Essayons de construire le deck. Par exemple, quelles sont les unités que vous jouez? Tu dis que tu as 2 H. Donc, essayons de mettre 2 H. On a 2 H ici. Et on joue aussi Anivia. Essayons de mettre 2 Anivia. Genre, on a 2 H, 2 Anivia. 2 H, 2 Anivia. Comme je l'ai dit du groupe B, le playstyle de Anivia, c'est... C'est assez en fait difficile parce que Anivia est un champion jusqu'à level 7 de mana. Donc 7ème round on peut mettre Anivia. 7ème round, si on a Anivia à la main et qu'on est arrivé à 7ème round. Ok, tu as Ben Anivia, ce qui est assez chaud parce que Ben Anivia, un seul Anivia, c'est difficile. Parce que Anivia, certes, amène last breath, ce qui va lui permettre d'avoir Ignivia Bini. Mais si le gars peut venir à bout de Ignivia Bini, c'est chaud. Parce que tu n'auras plus d'Anivia. Si ce fait qu'un seul deck, c'est juste. Tu l'as fait juste autour de Anivia. Le gars, il a juste à détruire son Anivia. Détruire Anivia et détruire Ignivia et c'est fini. Tu n'auras plus, en fait, tu n'auras rien. Donc, je pense aller à 2, c'est mieux. Aller à 2, c'est mieux. Bon, si tu peux pas aller jusqu'à 3, parce que 2, 3, c'est assez cher aussi. Donc, si, disons qu'on on va sur un deck qui sera genre bien fait. Disons qu'on a 2 H et 2 Anivia. Bon, nous ne rendons pas ça cher, carrément. Je pense que tu pourras crafter Anivia ici. Ah, j'ai déjà Anivia, en fait. J'ai déjà Anivia. Je pense que c'est 3000 ou bien un token de champion. Ok, Element, tu joues avec quoi? Avec 2 Anivia, 2 H, 3 H et Ben Anivia, je pense. Ben Sejuani. Ok, disons que je joue 3 H, 2 Anivia et Ben Sejuani. Oui, Sejuani même. Ok, Ben Sejuani. Disons qu'on joue avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Sejuani, c'est fort. Sejuani est un champion, sincèrement, c'est fort même avant son level up. C'est fort même avant son level up. Son level up est amazing parce que le problème, il va frostbite tout le monde s'il fait des dégâts au Nexus. Mais en fait, pourquoi j'aime, man, personnellement, c'est un truc personnel, pourquoi j'aime pas jouer Sejuani avec H? C'est ça. H te dit. Quand il est level up, quand j'attaque, les ennemis qui ont 0 de puissance ne pourront pas bloquer. Et Sejuani te dit, quand je mets des dégâts au Nexus, je frostbite tout le monde. Ce qui fait que pour mettre des dégâts à l'ennemi, il faudra attaquer avec ce deck. Il faudra attaquer ou bien faire des dégâts directement sur le Nexus avant d'attaquer. Tu comprends? Et je vois mal chez Frost, chez Freljord, la région Freljord, je vois mal comment avoir du direct damage avant l'attaque. Je sais pas quelle carte est utilisée pour pouvoir en fait trigger l'effet spécial de Sejuani sans pour autant attaquer. Genre mettre des dégâts sur le Nexus sans pour autant attaquer. Comment tu fais? Tu utilises quel genre de carte? Oui, Anivia fait des dégâts au Nexus, c'est vrai. Mais quand Anivia fait des dégâts au Nexus, c'est que tu as déclaré l'attaque. Quand tu déclares l'attaque, le gars a mis des bloqueurs. Il met des bloqueurs, automatiquement, il met des dégâts au Nexus, mais le gars avait déjà mis des bloqueurs. Donc automatiquement, il est frostbite, certes. Ok, donc ça signifie la Jensen stratégie, c'est basé sur Anivia Sejuani, si j'ai bien compris. Donc Anivia pour trigger Sejuani pour frostbite. Mais le problème, c'est qu'il va falloir avoir un Sejuani déjà qui est level up pour faire ça. Sejuani level up et Anivia pour trigger sa capacité.
Comment on peut faire pour... Donc il faut jouer un deck pour savoir ce qu'il peut faire, c'est de mettre des dégâts à chaque tour. Parce que si on regarde bien, comment on peut lever ses joueurs, c'est de mettre des dégâts 5 tours différents. 5 tours différents, mettre des dégâts. 5 rounds différents. Et 5 rounds différents, si on ne se base que sur notre round, qu'est-ce qu'il va faire, combien de rounds ça va prendre? 10 rounds, je pense. Parce que quand je joue un round, l'autre joue un round, j'ai que ben round. Donc c'est 10 rounds. 10 rounds pour trigger ces joueurs, c'est pas faisable. 10 rounds, c'est pas faisable. Donc pour jouer ces joueurs, il faut au moins un moyen de genre faire des dégâts durant le tour de l'adversaire. C'est joué, c'est comme ça, c'est le genre de deck que le monde marche. Pour bon, si on joue sur ces joueurs, lever le pan. Parce que moi, quand je joue ces joueurs, je le joue même pas sur sa façon de lever le pan. Parce que en fait, ce que m'offre ces joueurs avant le lever le pan, c'est le fouf. Bon, je demande le mot fouf, mais en termes de réactivité, moi, je le fouf, en fait, mais essayer de jouer sur ces joueurs level up. Parce que ces joueurs level up, c'est un build bien particulier, Bodhi. Bon, oui, il y a catapulte, mais catapulte, c'est à Noxus, je pense. Catapulte, c'est à Noxus. Regarde, catapulte, c'est à Noxus. Donc c'est un, je pense que c'est une unité niveau 4 qui met des dégâts à chaque tour. Catapulte, celui-là. Bon, ou bien tu parles pas de celui-là, City Breaker. H. Maintenant H, bon. Tu parles de City Breaker, n'est-ce pas? Yeah, City Breaker en fait, c'est Noxus, ce qui signifie que tu dois jouer. En fait, c'est exactement ce que je fais. Quand je joue ces joueurs, je le joue sur une région pour ramener. Je suis sûr de mettre des dégâts au Nexus ennemi. Ça, c'est sûr. Il y a des City Breakers, il y a Amna Benet Bougono dangereux. Ça, en fait, c'est Leviathan pour ce gars-là de Swain. Moi, en fait, sauf les level up conditions de Swain et de ces joueurs, dans la mesure où Swain te dit, je dois faire 12 dégâts. En dehors de la phase bataille, 12 dégâts pour avoir soin level up. Et exactement si tu fais ces dégâts là en même temps tu es en train de level up ces joueurs. Donc c'est pourquoi en fait si tu regardes certains decks, je vais discuter ça. Si tu regardes certains decks que j'ai, je joue en fait le combo Sejuani et Swain en 3. Donc, ce deck se base sur des dégâts. Genre, tu mets des dégâts tout le temps. Ça se base sur cette connasse-là qui te donne, qui fait 1 de dégâts quand je tac. Celle-là encore qui fait des dégâts quand elle reçoit des dégâts. Celle-là encore qui est encore plus chiante. Moi, j'ai juste. Bon, c'est le package pour les decks burn en fait. C'est ça, ça et ça. C'est le package des decks burn. Et automatiquement, je vais transitionner sur Ember Maiden qui va faire encore chaque round 1 de dégâts. Et terminer avec City Breaker. Et à ce niveau-là, je pense que on est City Breaker, c'est au round 8. À ce niveau-là, je pense que si, bon, dans les CNTP, si tout est bien, je pense qu'on peut avoir 5 dégâts en chaque round, ce qui permet d'avoir ce joueur qui va tomber sur le gars en étant level up. C'est chaud. Bon, ça, c'est quand on part dans les CNTP. Mais je pense pas qu'on va aller dans les CNTP pour ce genre de deck. J'ai joué ce deck. Il est fun. Mais c'est un deck vraiment draw dependent. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'avoir des unités qui vont faire des dégâts au Nexus. Tu as vraiment besoin de ça. Et ce deck joue avec 12 spells. Ok, 12 spells, c'est cool. Je suis vraiment pas fan, moi, de ce deck-là. Quand je joue ces joueurs, je le mets sur d'autres types de decks. Par exemple, Bill Water, ce genre de trucs-là. Qui me donneront d'autres stratégies bien plus efficaces quoi. Mais c'est à vous de voir. Mais si on parle du deck dont vous aviez parlé, c'est-à-dire le deck Freljord HV, je pense qu'on peut le faire. On peut faire un deck Freljord H Sejuani pour amener ça pour marcher vraiment. Et l'autre mot à ça, l'autre mot à ça, moi, sauf la laine en fait. Parce que ça peut vraiment marcher. Mais c'est deux play styles différents. Pourquoi? Parce que c'est Anivia, level 7, on doit aller jusqu'au niveau, au round 14, c'est-à-dire, ouais, round 14 pour jouer Anivia.
7, 8, parce que ça, je dois avoir 7 mana ou 8 mana pour pouvoir jouer Anivia. Et Anivia niveau 1, c'est nul. Certes, c'est vrai, elle ne meurt pas, oui, on doit la détruire deux fois. On doit la détruire deux fois. Mais la puissance d'Anivia, c'est au niveau 2. Parce que niveau 2, elle va deal 2 de damage à chaque tous les ennemis. C'est chaud en fait. Et il a toujours son revive Ignivia qui est là. C'est vraiment quand on a un Anivia, bon, c'est déjà level up. C'est vraiment c'est GG, c'est fini. Tu gagnes. Ça assure. Mais bon, on va essayer de jouer le deck. Donc, Anivia nous force à jouer contrôle. Ash nous force à jouer proactif. Ce qui fait deux playstyles assez différents. Jouer Ash signifie on doit jouer sur un deck mid-range. Mid-range, ça veut dire on doit focus sur les level 2, level 3 et level 4. D'avoir de bonnes unités. Level 2, level 3, level 4. Pourquoi? Parce que première chose, la méta. Tu joues contre des insaisissables. Ils vont te tuer quand tu as 5 de mana. Tu peux pas bloquer. Ils vont te tuer à 5 de mana. Tu vas avoir des Shadow Assassins qui vont venir. Tu vas avoir qui? Regardons les cartes de Yonia. Yonia uniquement. Elusive. Regardons. Tu vas jouer contre des Green Glade Duo. Elusive. Tu dois jouer sur Nabori qui n'est pas très méta actuellement. Tu vas jouer contre des Shadow Assassins. Tu vas jouer contre des Solitaire Monk. Bon, et je pense qu'en silver, bronze et gold, tu vas voir aussi cette carte qui est assez forte. Et pour les decks de base, je pense que ça, il y a Empyrean qui est là-bas. Du coup, tu peux pas jouer contre ça. Ils vont te tuer dès le niveau 5, niveau 6, tu es mort. C'est impossible de jouer contre ça. Si tu n'as pas de bonne défense. Donc c'est pour ça qu'en fait le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4, c'est très important si tu veux battre ces genres de decks. Parce qu'eux ils ont au niveau 2, ils ont au niveau 3, ils ont au niveau 4. Et plus tu continues, ils ont au niveau 7. Parce que si tu as Anivia et que c'est à lui de jouer, man, il a déjà 6, 4 et lui il buff de 2 sur les autres unités, man. Il attaque une fois, tu es mort, normalement Monochidara. Donc il va falloir lui mettre la pression, essayer de lui genre de lui faire sacrifier ses cartes. Et nan ko ci meuna guenné, bon, jouer vraiment agressif. C'est pourquoi en fait il faut jouer mid-range rek ci meuna ci meuna guenné. C'est quoi mid-range? C'est le fait de jouer niveau 3, niveau 4 et niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Donc, nañ dem fof non. On va se dire OK, on est à Freljord déjà. Qu'est-ce que Freljord nous offre comme niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4? La meilleure carte niveau 1 de Freljord, c'est évident, c'est Omen Hawk. Je ne sais pas si lui am gengo, mais c'est la meilleure carte niveau 1 de Freljord. Xawma ndax musu ngeen ko jouer. J'espère que gars yëkëti wuñu ça en fait. Donc, on continue. Donc la meilleure carte niveau 1. Ouais, man. 3 c'est un must sur Freljord. Freljord 3 Omen Hawk c'est un must. Parce qu'en fait, carte B, c'est pas juste le fait que nous donne bloqueur. C'est le fait que nous buff deux alliés déjà. Et c'est pas les. C'est votre rondo là quoi, Yumbi. Le fait que nous buff deux alliés, c'est mon chaos show. T'es hamru tu gagnes neuf mois dans la stratégie mid-range. Soit jouer mid-range. Avoir un niveau 2 ou voilà un niveau 3 qui a plus de stats, c'est cool déjà. Omen Hawk, déjà un must. Déjà, qu'est-ce qu'on a encore? On va sur le niveau 2. On joue Frostbite H. On doit Frostbite. Et quand on dit Frostbite, man, cette carte, elle est excellente contre pour H. Excellente, Tinan. Moi, Ace Val Archer, je sais pas comment on le dit en français. Ace Bat, c'est fort parce que première chose, ça bloque quelqu'un. Même sous fait que tu n'es pas au niveau 2, même sous fait que tu n'es pas au niveau 2, 3 ou 4, le gars il te met par exemple Ben Trindamir, ce monstre là qui peut te défoncer ta gueule. Ben Trindamir, voilà Ben Darius,
fekkene toujours ben gaane bi jouer Darius Trindamir wala ben champion bu fort, peu importe champion bu muntu don, pour être champion bu muntu don, le gars il vient quand il se play, automatiquement le gars il est frostbite. Genre ça permet de temporiser beaucoup quoi. Donc c'est un must d'avoir 3 encore pour le deck frostbite sur le deck gel. Et qu'est-ce qu'on a encore à part l'archer du Val là? Archer du Val là, peut-être. À part l'archer du Val. Tu t'es dit. J'ai entendu dire que tu allais jouer Demacia parce que il te fallait des unités solides. Moi, c'est la deuxième région. Il te fallait des unités solides pour au moins pouvoir gérer early B parce que je pense que Demacia offre les meilleures unités. En early, tu as des Loyal Berger, tu as aussi Grizzle Ranger, c'est les deux meilleures cartes de Demacia, ça, je vais dire, pour mettre mid-range. Et pour ça, ouais, en fait, c'est le problème du deck. Le problème du deck, le gros souci du deck, c'est les PV. Lors de mon 5, en fait, j'ai dit que la meilleure combinaison, c'est pas Demacia, parce que Demacia va t'offrir de la puissance d'attaque, mais il ne t'offre pas de la survie. Et si tu joues Demacia, même sincèrement, c'est juste pour lui, pour rentrer le gars. Et Frostbite, c'est pas pour rentrer le gars. Pour Frostbite, c'est pour tempo et atteindre mon Power Spike et lui défendre l'attaquer. Donc Demacia, c'est pour. Si fait que j'ai compris mon Mohamed Mustapha. Si j'ai compris Mustapha, nous bougeons avec Demacia, c'est jouer des unités solides et pouvoir en fait mettre la pression. Mais c'est pourquoi en fait, moi, si je veux jouer, je vais pas mettre Demacia. Ce que je vais faire, je vais mettre ce gars. C'est une unité 3 mana 3-3. Déjà niveau 3 c'est très cool. Mais ce qui est le plus, cette unité, quand il est invoqué, il peut te générer ben Yeti. Niveau 1, 5, 5. Niveau 1, 5, 5. Ça signifie, je le mets, et il ne le met pas genre à la main, malheureusement. Il le met dans les top 3 cartes de ton deck. Ce qui fait que yo, tes 3 prochains draws seront des bons draws. Pourquoi? Parce que tu as presque 60% de chance de tomber sur Yeti. Et Yeti, c'est ce que tu voulais sur, en fait, chez Demacia. Avoir de tankiness, avoir quelqu'un qui est assez fort pour pouvoir rentrer le gars. Et niveau 1, ça signifie que même si le gars te le renvoie à la main, tu le reposes parce que c'est juste niveau 1. Genre 1 de mana, coup de mana, bribouille. Donc, moi, si je joue Frostbite, je joue Yeti. Parce que ça me permet au moins mid-range de gagner. Mid-game, il est gagné de guerre. Si je mets, je vais juste mettre 3 pour l'instant parce qu'on va essayer après de gérer ratio de quartier. Donc, ce qui fait, on met notre niveau 1, on a l'archer niveau 2 et Aborozan Trapper, on a niveau 3 et on a H niveau 4. Et l'un de nos défis, on sait qu'on va jouer mid-range parce qu'on joue autour de H. On va essayer de doubler un peu Anivia, on va revenir sur Anivia après. On va jouer mid-range, on va jouer autour de H, ce qui fait qu'on a Archer, on a Trapper et on a H niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et qui joue H joue ce gars, le loup là. Le loup est excellent avec H. En fait, le loup est excellent avec Frostbite. Parce qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand j'attaque quelqu'un qui a 0 de puissance, je le tue automatiquement. Peu importe, il tue les barrières. C'est-à-dire, si le gars a barrière, ça, tu l'attaques, il a 0 de puissance, tu le tues. Le gars, il essaie de t'attaquer avec ben Trindamir, voilà, il essaie de t'attaquer avec une puissance, quelqu'un vraiment buffé. Est-ce que tu es en direct? Parce que nous, ça fait qu'il y a un gars qui a été fait. Eliman, ça fait que tu n'as pas de gain. Je pense que tu n'es qu'en différé en fait. Mais bon, je vais essayer de temps en temps de lire le message de Jalat pour lui corriger en même temps. Il y a un argument.
Ok. Donc, le loup. Oh, on a le tout dit en français. Ah, ok. Je pense qu'il y a un bien décalage pour nous parce que je l'ai setting ici, je l'ai mis à low latency. Je n'ai pas de latence. Je n'ai pas de latence, mais je pense que ce sera très faible. Sauf que tu es en direct, mais sauf que tu es en différé, je n'ai pas de latence. Donc, nous sommes à niveau 3, loup, c'est fort. Parce que, et ce qui est le meilleur, il a un challenger. Hein? Genre, tu peux challenger le gars, récupérer le frostbite et le taper la gueule. Ah, c'est ça, tu sais qu'on est différent. Donc, loup, un must sur chez H. Après, il y a un combo ça pour gagner nice avec H. Tu as H niveau, tu as loup niveau 3, H niveau 4, tu mets loup niveau 3, H round 4, tu as H, tu mets H, tu attaques, tu récupères le gars le plus fort avec le loup. Tu sais que H va frostbite le gars le plus fort et automatiquement le loup le détruit. Donc, le combo H, loup et H, c'est fort. H attaque, loup attaque, H attaque, frostbite le gars le plus fort, tu récupères le gars le plus fort, tu le mets chez le loup le tue. C'est comme ça qu'on tue les unités. C'est comme ça même qu'on tue un Brom, parce que Brom déjà il a zéro d'attaque. Tu récupères Brom avec le loup et tu le tues. Donc moi m'attaque Brom bof. C'est bof quoi comme champion. Bon, si tu le joues sur un deck avec H, c'est juste bof. Donc loup c'est un must. Il est niveau 4. Chez Freljord, je pense pas qu'il y ait un niveau 4 à part H1. Chez Freljord, je pense pas qu'il y ait un niveau 4 qui est fort. Bon, sur niveau 4 fort, pour Frostbite. Si moi j'ai 4 juste, qu'est-ce qu'on a? On a Allégeance, on va pas jouer Allégeance parce que je suis sûr qu'on va jouer une autre région. Allégeance c'est pour quand on est en mono. On a ce gars, c'est pour les poros. On a Bablingburg qui nous permet de récupérer les gars qui sont forts. Mais le problème de ce deck, on joue mid-range, on va pas avoir des gars forts. On va pas jouer donc Bablingburg. On a quoi? On va pas jouer le troupe Elnuk. Et on va pas jouer Plunder. Genre, on va pas jouer ce Plunder. Pillage en français. On va pas jouer Pillage. Ce qui fait niveau 4, je pense pas qu'on ait beaucoup de choix en fait, fini chez Freljord. Et comme on l'a dit, on va juste focus sur 1, 2, 3. Donc, un max ici, 1, 2, 3. Bon, on va pas dire qu'on aura juste 3 niveaux, 3 juste 1. Nous continuons maintenant sur notre playstyle. On joue H, on va donc focus sur des Frostbite. Donc, il y a un spell Frostbite. B, c'est quand on joue H, il faut mettre Brittle Steel. Il est assez fort. Pourquoi? Parce que ça frostbite les kin. Le problème c'est que ça frostbite les low units. Ça, nous savons, ils n'ont pas beaucoup de PV. Donc 3 maximum. Mais ce qui est cool, c'est que c'est un burst speed. Ça signifie qu'il peut, change. Il change en fait. Et deuxième chose, c'est que tu attaques, même si tu as buffé le gars à 100, jusqu'à 100. Ici, il a 3 de kin. Je le frostbite en fait. Donc en early, c'est très fort. Et ça permet aussi de survivre au burn, parce que les gens qui jouent burn, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont même plus. Les gens qui jouent burn, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ce gars 2 de PV, cette fille 1 de PV, ce truc 1 de PV et Crimson Disciple 2 de 3 de PV. Je sais pas s'ils jouent House Spider, mais ils jouent définitivement ce gars là 1 de PV. Il joue Demolitionist 3 de PV. Ce qui est sûr que presque la plupart de leurs unités, cette carte contre le counter. Brittle Steel le counter. Donc, non, je vais dire juste un conseil. En fait, yo, aussi, tu sais que tu peux réadapter le deck. Nice. Donc, vous l'utilisez comme. On va essayer après, je vais donner le code. On va exactement comment on va réadapter la deck selon la carte et ce que tu dois gérer. Donc, on va le faire comme ça, mais. Ok, nice. Donc, ça c'est cool. Brittle Steel c'est cool. Ça te permet de trick. Donc, on a Benen. On a Flash Freeze. Flash Freeze nous permet de frostbite un ennemi. Bimum, il n'y a pas de restriction sur les PV ni les trucs. C'est un burst speed, le gars ne peut pas répondre dessus. Donc là, la def, moi, je le frostbite automatique. C'est bon contre pour H parce que ça va level up H aussi. Donc essayons de mettre. On met juste
kéne 3 après on va voir si on va nalañi kéne donc on en est où on a 6 spells 16 unités et on a une courbe qui est sur le level 1 2 3 donc on est à ça on continue qu'est-ce que Freljord nous offre comme possibilité encore su fekké gis ngeen yenen kéne pour stratégie de entre pour H et Anivia c'est kéne on doit frostbite n'oublions pas qu'on doit frostbite c'est-à-dire on doit geler mais utiliser le mot anglais on doit frostbite geler ce qui signifie qu'il nous faut des cartes de gel moi je préfère aussi jouer avec Harsh Winds kind of 3 pour le moment parce que ça permet de frostbite 2 si c'est deux ennemis avec 6 de mana ce qui signifie que même au level 3 je peux avoir 6 de mana sauf si je vais utiliser ma réserve je peux frostbite 2 donc ça fait 2 counters pour 2 counters pour H c'est easy en fait et c'est une très bonne carte parce que ça permet de temporiser n'oublions pas qu'on joue Anivia et on veut temporiser vers le level 7 donc il nous faudra en fait temporiser vraiment et il nous faudra les meilleures cartes temporiser tempo pour donc Harsh Winds après on a quoi je pense que c'est le j'ai fait le tour pour les frostbite est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui permet de frostbite je vais écrire frostbite qu'est-ce qu'on a pour frostbite on a mes brittle steel bon on joue pas ces journées on a cette carte là c'est deal 4 si le gars est à 0 sinon on le frostbite mais le problème c'est que c'est un slow spell et vraiment on évite les slow spells à ce niveau là on a flash freeze on a cette carte est hyper forte chez H mais on verra si on pourra le mettre le problème c'est que cette carte et c'est vraiment au début mon règle là non jouer quand je jouais H en fait mais en fait quand l'un de moitié problème tu te rends compte que yeah en fait lol quand tu on va écrire quand on va faire ce deck là l'un le moitié gagne neex moy c'est burst on doit jouer que du burst so essaye so tu djema def d'autres spells sincèrement tu vas ça marchera pas burst spell automatiquement bon pour ñëwaat ci cette fille là je le jouais au début moi personnellement bon expérience bob la ci am je le jouais au début mais en fait plus je le jouais plus je m'efforçais à la tenir sur le terrain donc ce qui fait que je vais utiliser toutes mes ressources pour dico protéger moi parce que les gens en fait quand ils vont voir ce chaman bi automatiquement ils vont mettre tout le package pour la tuer hein. ils vont challenge pour tuer quoi ils vont utiliser get excited ben carte bi nga xamné mo nek chez Piltover get excited hein, Moussa ils vont le get excited automatiquement pour détruire quoi ils vont faire quoi ils vont mettre le paquet pour le tuer en fait ils vont mystic shot après ñu dem sur double mystic shot ça c'est une bugue pour juste tuer ton gars parce que double mystic shot ça fait 4 de mana pour tuer quelqu'un qui est déjà de 5 de mana chez toi c'est worse c'est un gros trade off en fait mon gars trade lo neex ci lol non j'ai 4 je détruis ton 5 cool je réserve 1 de mana c'est bon winter's bref je le joue d'habitude après une attaque je perds trop de cartes en protégeant 5 de ma kija tout le frère moi va rater ça yeah carte B c'est un gros bait normal c'est un gros bait c'est une très bonne carte le problème c'est que c'est 7 de mana slow il faut je dois utiliser tout mon son mana et pas utiliser pourquoi pour au pire des cas frostbite tout le monde mais si je frostbite tout le monde qu'est-ce que je fais je frostbite tout le monde juste pour l'empêcher d'attaquer ou bien je frostbite tout le monde pour que je puisse attaquer cela signifie que je devais avoir shaman mais en fait OK shaman là oui en fait c'est ça le problème de shaman tu vas
prendre tout ton temps, toutes tes ressources pour la protéger. Moi, man, sincèrement, quand je joue, bon, je vais dire, si moi je joue, je l'évite en fait, parce que je veux pas genre utiliser toutes mes ressources juste pour la protéger. Le moi je joue juste mid-range, je joue niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Je vais pas attendre jusqu'au niveau 5 pour pouvoir level up H. Je voudrais level up H avant le niveau 5 en fait. De préférence, je dois level H avant le level 5. Et quand je dis level 5, ça signifie que c'est le 0 ou 10 en fait. Donc, je vais. Je vais carte pour le moment. C'est une très bonne carte, sincèrement, c'est une très bonne carte. Mais je vais dire que parce que c'est un bait, ça permet d'utiliser beaucoup de choses pour la protéger. Qu'est-ce qu'on a encore? Je pense pas qu'après Amnan Lenen, chez Frère Lyord qui peut nous servir. Donc, ça c'est H. On est en train juste de voir la stratégie H1. Qu'est-ce qu'on a encore? Je pense que c'est fini. Tout ce dont on a besoin pour H, c'est terminé. Moi, il lui permet d'aller avec H. Donc, j'espère que j'ai pas oublié. Oh, Amnan Lenen, en fait. Pour H. Je pense pas que Fatina dara amul benen carte bo xamné xam ngeen ko bo xamné mëna permettre H bu nga xamné tam ngeen diko jouer et qui marche vraiment. Je pense pas c'est les meilleures cartes actuellement bo xamné je suis sûr que mëna ñu jappalé en fait pour ce deck là. Donc on est à 25 cartes, ce qui nous reste 15 cartes à mettre. Aussi, n'oublions pas Anivia. Heureusement, Anivia, l'aide. On ne se soucie pas d'Anivia. Pourquoi? Parce que c'est un champion late game. On ne va pas genre, se casser la tête à vouloir la mener et de jouer autour d'Anivia. Parce que le level up d'Anivia, c'est simple. Je dois avoir Guy de mana. Je dois avoir Guy de mana pour level up. Donc, il n'y a aucune stratégie autre que le fait de stall, de faire durer la partie jusqu'au round 20. Avoir 10 de mana. L'orec moi nous permettre qu'il est. Donc, et quand on dit ça, et quand on se dit, ok, je vais jouer mid-range, ça signifie que j'aurai beaucoup de trucs pour. Les boys qui buffent. Yeah, c'est vrai, il y a le petit Yeti qui met les gros Yeti. Allons ça. Le petit Yeti qui met les gros Yeti. C'est ce truc là. Il met deux yeti sur ton deck, dans ton deck. Mais en fait, un problème, il me guise qui carte bilen là. Moi, c'est une bonne carte aussi. Hein. Et je pense que cette carte est meilleure, pour dire vrai. Anamou. Cette carte est meilleure. Malheureusement, deux cartes règles là, ben carte règles là, les créer. Mais il le met sur le top 3. Top 3. Mais le petit Yeti, il met 2. Cool. Mais le problème, c'est que il va le mettre dans ton deck et il va le shuffle. Ces deux Yeti peuvent être en bas. Et comme qui l'autre l'a dit, Moustapha l'a dit, ça augmente plus de cartes dans ton deck. Mec 3 de mana. Ah, tu parlais de celui-là. Non, qui? Vous inquiétez, vous avez une 3 déjà. C'est cool en fait cette carte. Vous inquiétez, vous avez une 3 déjà. Sincèrement, moi j'aime bien cette carte, vraiment. Surtout contre les gars et les. Les gars qui essaient de se la jouer douce, je vais te mettre ça. Tu prochain ou deux prochains tours, je te mets un Yeti. Après, tu vas te dire, ok, comment je vais faire pour que. Parce qu'il faudra tuer ce Yeti là en fait. Sinon, 5 de dégâts, si je le reçois dans ma face, ça va faire mal. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a beaucoup de cartes qui stall, qui nous permet d'aller jusqu'au level 7, espérons. Et. Je pense que c'est tout pour H. Ah mon frère, je pense qu'il y a des cartes que je n'ai pas. Oh, ok. Caught in the cold, mais c'est un slow spell. C'est cool en fait cette carte, parce que ça gèle et ça rend vulnérable.
gèle et rend vulnérable. Si ça gèle, si je gèle quelqu'un et que je le rends vulnérable, je peux l'attaquer pour le tuer. Donc je peux l'attaquer. Si c'est une grosse unité qui a 3 de PV, je peux le tuer avec un archer, je peux le tuer avec trappeur, je peux le tuer. C'est inutile contre ce gars parce qu'il a challenger déjà. Je peux le tuer avec H. Je pense que ça n'en vaut pas la peine. Langue de chakla. Je pense pas que ça m'en vaille la peine en fait. Bon, on y va. Je pense que c'est la seule stratégie Frostbite, les meilleures cartes Freljord qui nous permettent de jouer autour de H et autour de trucs. Maintenant, on met des cartes dans notre deck, il faut un draw en fait, il faut un draw. Et cette carte c'est un must chez Freljord pour draw des cartes. C'est une carte qui est sur le terrain, qui est stall. Deuxième chose, ça nous permet de draw, c'est un must. Tu as un body sur le terrain, tu as une unité sur le terrain, niveau 2. Parce que si on jouait juste avec l'archer, bon, ça passe pas. On a un niveau 2 qui nous permet de draw. C'est une très bonne carte à mettre dans le deck. Ce qui nous fait Omen Hawk into Sentry, into Archer, into Trapper, into Wolf, into Ash. Est-ce qu'on a besoin de niveau 3? On a déjà Trapper et Wolf en level 3. Regardons la courbe déjà, et c'est une très bonne courbe pour voir en fait comment le flow du deck. Je pense que c'est tout. Maintenant, si on regarde bien, si on regarde bien Entrit, il va force. Draw a champion. Pourquoi on veut draw un champion? Je ne sais pas. Pourquoi doit-on mettre Entrit dans notre deck? On veut draw un champion. Pourquoi veut-on draw un champion? On veut avoir H ou on veut avoir Anivia. Et c'est aléatoire. Des fois, je peux vouloir avoir H et j'ai Anivia. Ou des fois, je veux avoir Anivia et j'ai H. C'est aléatoire. Hein? C'est 50-50 pour draw un champion. À ton avis. Bon, je vais te dire, parce que j'ai joué avec lui un peu, je vais te dire une affaire bien simple. On joue... Je t'avais proposé de jouer ça avec Shadow Isles. Je vais m'expliquer un peu pourquoi Shadow Isles. On joue sur une méta, pour Hamne. Les gens sont agressifs. Tu viens, tu m'attaques avec quelque chose qui a 1 de PV, je le tue. Wild Fist. Et je me heal de 1. C'est une bonne carte pour Stall. Encore une autre chose, moi il me génère une unité. Bon, on ne peut pas défendre. Donc, je te tue, je récupère un PV et je mets une unité sur le terrain pour 2 de mana. Le gars, il essaie par exemple d'utiliser sa carte pour draw en utilisant par exemple Ben Glimpse. Là, le gars avait 1 de PV. Je le Wild Fist pour l'empêcher de draw 2 cartes. Le gars, il veut buff quelque chose ou bien il veut utiliser une carte de manière réactive pour faire quelque chose d'autre. Je le Wild Fist en fait. Très utile en fait cette carte. Et ça te heal de 1. Bon, c'est pas ouf, mais 1 des fois ça peut faire le taf. Oracle stellaire. Oracle. Je pense que c'est à Freljord. C'est quelqu'un, je l'ai pas en français. Bien, j'ai mis des pitres. Oracle stellaire. Comment on redonne Oracle stellaire?
jox ma stat yi ma xol 2 mana. Ah ce gars le maître du hibou là. Mais ce gars c'est pour un deck bois, mais j'ai beaucoup de spells hein. Certes c'est pour ça peut être fort hein. Ça peut être fort. Ouais ça peut être fort. Mais attends, je vais me défendre. Genre je veux me défendre genre. Ça veut pas dire que je veux buff mes gars. Donc je veux me défendre. Essayons de la défense parce qu'on veut arriver au. Si nous, maintenant, c'est la stratégie, c'est arriver au level 7. Arriver à 7. Je veux me défendre et arriver à 7. Wild Fist, Stall. Il y a une autre carte, Grasp, Stall. Il y a une autre carte, Withering Wail, Stall. Donc, 3 cartes de Shadow Isles qui peuvent me permettre de gagner des PV et en même temps d'éliminer quelqu'un ou d'éliminer des gens, d'éliminer un groupe. Parce que Vile Fist, si tu joues Withering Wail sur par exemple des araignées, le gars il avait 5 araignées, il attaque automatiquement, tu le Withering Wail, il tue l'unique, tous ses araignées, hein. C'est fini pour lui. Donc Withering Wail, must pour ça. Si le gars jouait des élusives avec des élusives à feu pour PV, tu te heal de 3 et automatiquement tu c'est 1 de PV, good encore. Donc c'est une très bonne carte, vraiment Withering Wail. Est-ce qu'on va en mettre 3? Bon, ça laisse à débattre. Hein. Et il y a une chose, on n'a pas beaucoup de champions. Et on a besoin de nos champions. Nos champions peuvent mourir. Mais on veut jouer nos champions. C'est pourquoi je mets des fois 2 Rekindler. Rekindler c'est une carte qui nous permet de, à chaque fois de ranimer quelqu'un qui est déjà mort, un champion. Ça ranime les champions. Et il ranime le champion le plus fort. On va aller maintenant ici. Anivia n'a pas besoin de le ranimer en fait. Anivia quand ça meurt, ça devient un Ignivia. On en a 2 sur notre deck. Bon, on a ça signifie qu'il doit détruire Anivia 4 fois. Bonne chance pour ça. On va ranimer sûrement H qui meurt, qui revient. Le level up est déjà accompli. Donc c'est un H level up qui va revenir. C'est cool. Rekindler, c'est une très bonne carte. Et je joue Shadow Isles. Maintenant, imagine que je veux avoir mes champions. Si c'était moi, j'allais jouer Thresh. Je vais jouer 2 Thresh. Pourquoi 2 Thresh? Il est 6 de mana, il est 6 de PV. Et deuxième chose, il a Challenger, il peut éliminer ces gens, ces petits trucs-là. 6 de PV, 3 j'ai pas challenger. Et si je vois 3, si je vois 6 unités mourir, automatiquement je level up. Et quand je level up, qu'est-ce qui se passe? Quand j'attaque, j'amène un champion. Dis-toi que il amène un champion du deck. Donc ça bat Endrit. Pourquoi ça bat Endrit? Oui, Endrit même. Entry. Ça bat Entry. Pourquoi ça bat Entry? Ça le joue directement. Genre tu attaques le gars, il invoque le champion et il le met sur le terrain. Et il attaque, le champion attaque. Supposons, j'avais H level up, il y avait ma deuxième H qui est dans mon deck. J'attaque et automatiquement j'appelle encore un deuxième H qui fait encore un autre Frostbite. Ce qui fait double Frostbite et 2 champions qui ne peuvent pas défendre. C'est chaud. Oui, en fait, les tokens d'expédition, je pense, c'est aujourd'hui aussi. Hein. À 3h du mat, comme 2h du mat. Donc, ce qui fait, on a ce genre de deck. Je joue 2 Rekindler, 2 Anivia. Hashwing, c'est 6, je pense, je vais diminuer. Diminuer 1 Withering Wail, diminuer 1 Grasp. Ce qui me fait 38 cartes. Avec 38 cartes, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Ça nous fait 15 spells. Cool. Ça nous fait 23 unités, 15 spells je pense c'est bon, 23 unités on peut mettre 2 autres unités. Qu'est-ce qu'il y a à essayer? Ça fait l'autre jour que je me reste.
Wawa, nopi. Yeah, il obscure avec... Il obscure, c'est cool, man. Il obscure, c'est cool, man. Parce qu'en fait, tu as beaucoup d'utilité. Les PV, comme Ninko Hewan. Le problème du deck, c'est les PV. Tu récupères des PV ici. 2 Wizarding World, tu récupères 6. 3 grâces. 2 grâces, tu récupères 6, ça fait 12. Bon, si tu les mets, hein, en fait. Tu as encore Vile Fist, tu élimines et tu récupères des PV. Ça te permet un voie de tempo et de tempo pour aller ici. Et tu as l'outil Rekindler qui peut te permettre de ranimer tes champions qui sont morts. Et tu as Thresh, si tu joues Thresh, pour amener les champions du deck. Tu comprends? En fait, voilà ma stratégie sérieusement pour ce genre de deck là. C'est cette stratégie là que j'aurais adopté pour faire ça. Maintenant qu'il y a avoir le deck et l'efficacité du deck dans le truc là. Mais je pense qu'on a eu à répondre la plupart ce que la méta offre comme adversaire et ce que on peut répondre avec. Bonne chance. Bon, il reste 2 cartes, mais je pense que 2 cartes, c'est flexible en fait. Je sais pas si... qu'est-ce que je peux mettre pour compléter les idées? 2 cartes pour compléter. Mais c'est définitivement, je vais mettre Thresh. Définitivement, Thresh, c'est un bon truc pour ce deck là. Tu peux tester sans Thresh. Ça me va de ouf, les types qui remplacent les points et qui sont incarcérés. Ouais, en fait, c'est ça. Il obscure, c'est nice en fait sur ce deck. Je l'ai testé. Testé là avec région il peut rien, mais il obscure moi le meilleur. Il obscure moi le meilleur en fait. Tu as tout. Tu as tout ce qui te manquait. Et tu as ça. Rekindler Redoyna pour il obscure. Rekindler Redoyna pour il obscure. Bon, sans Thresh, je sais pas. Sans Thresh, tu peux. Tu peux tester sans Thresh. Tu peux tester même avec Ben Thresh. Ou sans Thresh. Mais ça, je sais pas. Il va falloir aussi essayer de combler gap bini, les 4 cartes qui restent. Bon, on a la main 1 sur B. Test Frostbite. Et on va voir. On va voir comment on va mettre les 5 unités restantes. Waman, je suis dispo pour duel de mes rares rares vite fait. Rares à 1h du matin. Ma rares vite fait, après on s'y met. Les rares partagent. Je sais pas si on a partagé des coups incomplets. Ah si. Alors on partage des coups. Vous allez compléter. Bon, mais si c'était moi, je les mettrais. Et je vais voir les 2 cartes que je peux mettre pour terminer. Bon, les gars, bof, il a mon comme qui me dit du côté H1. Je sais pas si ça a été utile ou si le format avec stream B ça a été impliqué. Nice. On verra. Bon, je vais faire un peu de après on se capte après. Ciao.